Ah là 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 ça. Yo mon gars, Dante 850. Aujourd'hui on va parler de P2O, la Zouquette, la Zoulette, P2O, Booba. Bon, malgré que ces derniers temps je l'aime pas, enfin ça remonte déjà, c'est depuis on va dire que, bah je sais pas depuis quand, depuis un moment quoi, voilà. Depuis qu'il s'embrouille avec tout le monde, qu'il fait ses clashs et tout, voilà. Depuis qu'il s'embrouille beaucoup, qu'il utilise un max son vocodeur, moi, pour moi, c'est plus vraiment un rappeur, c'est quelqu'un qui surfe sur une vague pour rester toujours en haut, tu vois. Et après, ça se dit être le duc, le trône, le machin, ce que tu veux, tout en piquant tout le monde, voilà. Ça, c'est sa recette. Tout le monde l'a compris qu'il fait comme ça les choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, y a masse de gens qui achète ses albums, qui écoute ses trucs, ses radios et tout, tout lui réussit parce que bah on parle toujours de lui, tu vois ce que je veux dire. Donc là hier, donc c'était vendredi soir, il devait se présenter au Red Room pour faire un showcase. Bon, ça a jamais eu lieu parce que la mèche a été allumée et voilà, c'est malgré que comme j'ai dit, j'aime pas trop ce qu'il fait depuis un moment, je trouve que c'est pas top, c'est pas top. Et ouais, ça se fait pas trop, je trouve que. Après, ils disent en gros, ça a été fait à partir du moment où il a dit je vais dans les chichas pour les beurrettes. Voilà. Et ça a pas plu, ça a pas plu. Et du coup, tout le monde est allé là-bas en masse. Mon gars, on va te montrer que en gros que les beurrettes, elles sont pas là pour toi. Et on va défendre l'image. On va tout dégommer. Tu chantes pas ce soir. Voilà. En gros, c'est ce qui s'est passé et ça a foutu. Bah, ils pouvaient pas la sécurité s'occuper de tout ça. Ils ont dit, allez, on arrête le showcase, c'est pas la peine. Voilà, la sécurité est pas opérationnelle, du coup, on fait pas ça. Et je sais pas, c'est un petit peu dommage. Après, c'est pas forcément de sa faute à lui, mon gars. C'est la faute aux gens qui écoutent ça et qui vont à ces showcases pour répéter les paroles qu'il dit, tu vois. Il suffit que tu regardes un de ses concerts ou quoi, tout le monde connaît ses textes par cœur et les dit par cœur. Est-ce que c'est de sa faute si tout le monde dit, des fois il a même pas besoin de rapper, c'est eux qui le font pour lui. Il a même pas besoin de chanter, dis-toi mon gars. Les gens ils ont cette mentalité de tout enregistrer, de tout dire à sa place. Et voilà, c'est mon idole, ça y est, il me vend du rêve, il a sa villa, il a tout ce que tu veux. C'est bien, il a réussi, il a percé. Mais de là jusqu'à connaître ses textes par cœur et chanter à sa place dans ses concerts, putain, t'as payé ta place, mon gars, tu vois. C'est pas de sa faute à lui, ça. C'est la faute aux gens qui vont là-bas, qui vont payer pour ça et qui vont dire ses textes à sa place. Il coupe le son, c'est bon, vas-y, chante à ma place. Moi, je me barre, je vais boire ma boisson, je me barre, y a pas de souci, tu fais tout à ma place. Monte sur scène pendant que tu y es, tu vois. Fallait le laisser faire son truc. Les gens, ils sont dans leur mentalité. Ils veulent l'écouter, ils l'aiment, ils l'admirent, ils veulent mettre leur poster, ils veulent dépenser du fric pour lui. C'est leur problème. Tu vois? Plus toi, tu vas faire ton buzz, tu vas faire un mauvais buzz en plus, parce que tu vas arrêter tout, tu vas vouloir vider son truc, ruiner sa soirée. De toute façon, c'est pas ça qui va l'arrêter, le gars. Au contraire, tu lui as fait un buzz encore plus fou. Du coup, il va faire des trucs. Comment dire, ça va jamais s'arrêter. Il va aller dans d'autres pays, il va faire ça ailleurs, il va être dans d'autres grandes villes, à Paname, il va faire pareil, tu vois. Ça s'arrête pas. En fait, ce que tu veux, tu lui as balancé juste un petit cure-dent dans la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Un petit cure-dent, ça lui a même pas touché. Voilà, bref, ça sert à rien. Voilà, c'était mon petit ressenti. Je trouve que laisser faire, voilà, laisser faire, c'est la mentalité des gens. S'ils aiment ça, c'est leur souci, qu'ils écoutent, qu'ils achètent. Mais en tous les cas, c'est pas ça qui va arranger le problème. Au contraire de ça va faire que l'aggraver. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est dommage. Et d'ailleurs, voilà aussi, c'est aussi une raison pourquoi je l'écoute plus, parce que toutes ces choses-là font que je n'aime plus la personne en elle-même qui chante, tu vois, qui rappe. J'écoute plus ces textes-là parce que je trouve que ces textes, ils s'adressent généralement maintenant à un public qui est assez fixé, tu vois, il est ciblé, je veux dire. Et moi, je me sens plus dans ce qui rappe, tu vois. Autant dans ses premiers albums, c'était bien, j'aimais bien ce qu'il faisait, mais là, voilà, je me reconnais plus. Du coup, j'ai lâché l'affaire. Et donc voilà, c'est tout, c'était mon ressenti sur la Zouquette, sur Booba, voilà. À plus tard, ciao.